faut que j'interdise avec pas les yeux, tu vois. Puis quand le train arrive à pas les yeux, ben, il renvoie un train tout de suite. Puis quand le train arrive avec hublot, ben, je te renvoie un train. Voilà. Ouais. Alors chez moi, là, il y en a un qui vient de partir, des cubes blancs. Donc j'ai la croisée aux 15 et 45 avec cubes blancs. Film. Okay. Alors on sélectionne la voie 1, ça s'allume. Hein. Ouais. Ensuite 10 degrés, là on est déjà à 30, les deux lampes s'allument. 45, tout s'éteint. Ouais. Et là je suis à 90 degrés, la verte s'allume. Mon parcours il est fait, même que les barrières sont pas fermées. Mais le parcours il est bon. Il se fait. Après ça va se faire automatiquement par un système de qu'il y a sous le terrain qui fait que ça va provoquer la fermeture des barrières. D'accord, ouais. Et puis là, je vois que la petite loupe, lampe verte clignote pour dire que le passage. Le parcours, il est prêt. On attend juste que quand les barrières seront fermées, la lampe verte arrêtera de clignoter. Et là, qu'est-ce qu'il va. Et les barrières vont se baisser à quel moment? Alors, c'est quand il va passer ici, cette barrière-là, ça donne l'impulsion plus loin. D'accord, ouais. Et puis là, c'est toujours le train qui vient de Moudon. De Moudon. Il viendra toujours de voie 1. Donc, façon, si l'autre, ouais. Il vient sur voie 2 et qu'il est en avance, il va toujours venir sur voie 2. Exactement. J'ai eu le cas ce matin où la voie 1 avait du retard. J'ai pris la 2 en premier. On a des passages sous voie, donc on peut se permettre ce genre Ah, voilà, il y a le plaisir. Ça ferme, donc ça donne l'impulsion là. Ah oui, maintenant je comprends mieux. Ici, il n'y a pas de problème parce qu'il y a le passage sous voie. Voilà, s'il n'y a pas de passage sous voie, on est obligé de prendre le premier train qui se présente sur la première voie devant le bâtiment. Oui, c'est exactement ce qui se passe dans la Valita. Voilà. Il n'y a pas de passage, ils sont obligés de toujours prendre le premier qui arrive sur la voie la plus proche. Puis voilà maintenant le fameux feu là, avec les quatre ampoules, là, le signal de barrage, il s'est éteint, il est en protection. Ouais. Petite chose qui me surprend, donc là les barrières sont bas, mais il n'y a pas des lampes blanches-jaunes qui s'illuminent pour signifier l'itinéraire. Non, lui, là, sur le terrain, lui, il verra son signal vert, il a vu son avancée, il va voir ça. Moi, j'ai que cette représentation-là et c'est tout. Ah, peut-être ça différencie des dominos 55-67. Dans la Valitavane, quand ils ont fait l'itinéraire, les lampes blanches qui s'allument pour montrer l'itinéraire. Ah non, ça c'est les 67, ouais, alors chez nous pas. Et puis elles viennent rouges pour dire quand le train roule dessus. Passe. Alors là ça va venir rouge quand il franchit les isolations, voilà. Ouais. Ah ouais. Par contre, ça reste éteint. Les seules choses blanches qui sont chez nous, c'est les aiguilles. Et là vous avez appuyé sur le. J'ai arrêté la sonnerie. Et puis appuyé sur le bouton de passage à niveau pour garder. Voilà, pour maintenir fermé. Maintenir fermé. Ouais. Je les verrouille. Puis j'ai vu du coin de l'œil le train qui était passé sur la caméra. Voilà, on voit, comme ça nous on peut voir un peu l'intégralité. Ouais. Hein, de toute façon, le principe il s'arrête pas là, on peut toujours les voir. Signal de queue, hop. Alors là on reprend, hein, c'est allumé, je reprends, je tourne l'aiguille. Là voilà, comme on n'a pas de compteur d'essieu, j'ai contrôlé que mon train est un entier. Ouais. Je libère, flèche blanche, et je prends le sens de marche pour pouvoir expédier le train. Puis là, la même chose, hein, lampe blanche, la verte, éteint. Et là, on est bon, hein, j'ai fermé les barrières, ça vient tout de suite. Ouais. Idem pour la sortie directe. Et là, il faut que celle-ci se ferme pour pouvoir mettre la voie libre, le signal de sortie. D'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que quand tu as des croisements, c'est toujours bien de garder les barrières bloquées pour le temps que ça venait. Ça dépend. Il y a des fois, on a un souci, ils arrivent avec 3-4 minutes, pas d'avance, même beaucoup plus vite que les autres. Ouais. Donc on a le temps de les remonter. Mais là, comme on a une double sonnerie, sitôt que depuis Payerne, ça sonne deux fois, on sait qu'il va arriver. Ouais. Donc on ne s'amuse pas à les remonter pour les redescendre. Ouais. Sinon, sinon vous perdez. Dans les barrières. Voilà, il arrive déjà. Ouais.
Alors, quand il n'y a pas d'heure, toi qui sois bien à l'heure, autant les garder en bas, Oui, vous gagnez du temps. exactement. Tandis que si l'autre arrive avec 3-4 minutes de retard, là, faut vous attendre que là, vous laissez relever. Donc là, il est passé au signal. Voilà, le signal, il a passé, il a touché les deux Ouais. isolations, donc ça fait chuter le signal, normal. Et là, il entre gentiment, donc j'ai pas ma lampe blanche, j'ai Ouais. plus la verte, mais la blanche, je n'avais pas allumée parce qu'il n'a encore pas été suffisamment Ouais. loin. Comme ce matin, je suis passé par la gare de Lausanne, Ouais. ben sur la voie où j'ai pris le train pour revenir, il était en double composition. Ah oui, ça Donc je arrive. pense que là, je pense que avec Cube en rue, je pense que là, ils ont dû, votre collègue ce matin a dû libérer la voie pour être Non, sûr avec qu'on Hublot, on n'a voit. pas de souci. Les voies sont assez longues. Ah d'accord. Et on n'a pas toujours de libération. Voilà, Moudon seulement. Alors là, on sort. Puis là, ils roulent d'eux-mêmes. Quand ils voient qu'ils ont le signal de Voilà, il sortie. faut que le signal soit en voie Ouais. libre et puis d'après leur tabelle, que ce soit Ouais. l'heure de départ, quoi. Ouais, je crois qu'ils ont des iPads où ils ont Oui, ils ont leur les iPads, ils ont parcours. tout leur programme dessus. Avec Ouais, ils toutes les ont le... spécialités, s'il y a des modifications de vitesse, s'il y Et a puis je crois que des travaux, c'est. etc., tout est dessus. Et puis je crois que c'est en temps réel. Oui. Comme ça, s'il y a d'un coup des problèmes techniques en cours de route Oui, sur les voies, c'est ben, ils direct sont directement introduite. dessus. Alors moi j'ai mon mari qui roule, alors effectivement lui il a la tablette et ils font tout d'après ça maintenant. Ah, donc, c'est pas souvent que j'entends qu'un couple travaille les Non, chemins de fer. lui est chez Cargo, hein, il roule dans les teams. Là, Ouais. il a Payerne, il va l'amener Ouais. les wagons chez les clients, etc. Il fait aussi Fribourg. Je demande le chef de la Valitavan. Eux, ils travaillent en couple au CFF. Mais lui, il est chef de la Valitavan et son épouse, elle est agent de mouvement ferroviaire en gare d'Orcanvilliers. Ah ben voilà. Et je crois, si je ne me trompe pas, je crois que conducteur cargo, s'il a la formation uniquement cargo, il n'a pas le droit d'aller travailler à voyageur. Ils pourraient maintenant, je crois qu'ils auront fait, en tout cas par ici, ils auront fait les nouveaux contrats. Oh, c'est En fait, bien. c'est des mécaniciens, ils servent plus de choses qu'un mécanicien parce qu'ils font. Ils contrôlent tout ce qu'il y a. Ils ont encore le contrôle des wagons, ils font tout, ils contrôlent les freins, ils contrôlent. C'est un boulot de fou. Hein. Ouais. Alors là, ils ont quand même décidé de les passer un petit peu au-dessus. Puis bon, il n'y a pas Ouais, grand-chose peut-être. qui change parce que question vitesse, ils roulent. Avant, ils Bon, étaient c'est surtout la limités. longueur et le poids qui fait Voilà, qu'ils que. doivent gérer, ouais. Parce que voilà, là, on ne peut pas prendre plus que 300, 315 mètres le soir là, pour les croisements. Oh là là, tout est blanc, bah, c'est ce qu'elle a fait ma collègue, hein, les lampes tac, les signaux sont éteints, sont rouges, pas éteints. On reprend tout, puis on prépare pour la prochaine croisée. Voilà. Extra, donc là, côté gauche, donc l'aiguillage est droit, l'autre vous l'avez mis directement aux deux. Voilà. On prépare Ah ouais. toujours pour la croisée d'après, que ce soit parce qu'on a une relève ou pour nous. Après, il y en a qui travaillent différemment, il y en a qui font à la dernière. Chacun sa manière de travailler pour Bon. qu'on fasse. De toute façon, on peut tourner l'aiguille au dernier moment, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça, là, en fait, tous les tours que je reprends, c'est que je les reprends. C'est dur de me planifier, de dire, ok, ça, c'est parce que, en fait, le rythme vient, c'est sûr, ça, on peut pas faire qu'en faire. Mais là, les tableaux, je m'étais réservé, je vois que ça devrait pas avancer, et puis au final, je vois que je peux très bien le faire avant, mais c'est sûr, ici, c'est compliqué d'avoir un truc complet et tu as des tableaux à la fin.
vous êtes sûr que tu vas remplacer. Ça va lui. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Après, c'est des combines. Ça fait à peu près combien d'autres par heure? C'est ça, 19h30, c'est 1h30 de bien là. Ouais, ça, 8 trains. Hein. Ah, encore 8 trains par heure. Ça m'a le café? Volontiers, oui. Ouais. Sucre, lait? Volontiers, oui. Sachez.
Ils m'ont demandé pour l'entrée après une semaine. Plus loin, merci. Peut-être que ce sera intéressant pour lui de ne pas voler. Non ? Ah, si c'est possible, oui. Je vais vite ouvrir. Ouais, ben je vais juste aller, au petit coin, moi. Mais reste mon là, Thibaut. On est le prochain, mais... Moi je vais prendre au 26. Ouais. Mais après, monsieur Knural, vous rentrez quand vous voulez. Ouais. Hein? Ça marche. Vous n'avez plus besoin de moi à présent. Principe pas. On se voit, hein? Puis on se voit, nous, la semaine prochaine.